Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans mon dernier vlog du dimanche dernier. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets juste en haut. Je me suis remis mes cheveux en fait au naturel. Je me suis dit que je ne pouvais pas passer sans vous raconter une petite story time où ma coiffeuse m'a littéralement cramé les cheveux lors de la toute première fois où j'ai voulu du coup avoir les cheveux blancs. Pour vous raconter cette histoire, tout commença en février 2018, donc il y a à peu près un an et demi, où j'ai décidé de vouloir changer de couleur de cheveux, et vu que je suis brune de base, ou plutôt châtain si vous préférez, je me suis dit bon, on va tester, j'ai envie de tester le blond. En fait, je voulais avoir un blond gris, un truc assez joli, blond gris, et du coup je me suis dit bon, j'ai appelé ma coiffeuse m'a dit on peut essayer, je lui dis ok, pas de soucis. Et du coup elle m'a pris en rendez-vous, c'était en février du coup, sauf que c'était pas ma coiffeuse personne qui m'a coiffée, c'était une apprentie qui était là depuis plusieurs années. Ils ont regardé, ils m'ont dit bon, faudra peut-être faire deux décolorations parce que je suis assez foncée quand même. Bref, elle a commencé à poser sur toute la tête. Et elle m'a dit de toute façon ça va chauffer un peu, c'est normal parce qu'en fait tu décolores ton cheveu et c'est des produits chimiques donc ça chauffe. Sauf qu'il y a un moment donné où je me suis dit genre vraiment sur l'arrière, mais ça brûlait. C'est genre ça brûlait, mais mon crâne était limite en train de fumer tellement que c'était chaud. Je lui ai dit bon là, est-ce qu'on peut rincer tout parce que là c'est trop chaud. Elle rince, donc voilà, et elle me dit vite fait oui bon, t'as 2-3 cheveux qui se sont cassés derrière mais ça va. Et bon, du coup elle me pose la couleur, après on sèche et tout machin. Je crois qu'on a essayé de refaire une couleur parce que c'était pas tout à fait ce que je voulais. Et en fait ça avait ressorti à peu près gris vert. Et en fait le truc c'est que moi à cette époque là je bossais dans une entreprise d'événementiel, et donc les cheveux verts ça ne passait mais alors pas du tout. Vert gris ça passait pas. Et si ça avait été genre une belle décoloration bien faite, plus de la couleur blanche ou du blond derrière, ce serait passé. Sauf que là je suis revenue avec les cheveux gris vert. Ma boss elle a pas été hyper contente à cette époque là. Du coup bref, elle me coupe les cheveux et tout. Et elle me dit du coup comme je disais juste avant, elle m'a dit oui ça a coupé un petit peu. Enfin ça s'est cassé un petit peu derrière, mais ça va. Bon je dis ok. Enfin spécifiquement je pouvais pas trop regarder. Et puis en plus elle avait mis les cheveux, ça se voyait pas. Bref. Et l'autre, une des bosses qui était là, c'était pas ma coiffeuse mais c'en était une autre, vu que elle avait bien vu que l'apprenti m'avait un peu raté toute la couleur et tout, elle fait bon ok bah je te le fais à 70 au lieu de je sais plus combien. Je fais bon ok. Et en fait je suis rentrée chez moi le soir, j'ai dit à ma mère, elle m'avait dit que ça avait un peu cassé derrière, j'ai l'impression que c'est un peu plus cassé que prévu. Je vais vous mettre une photo juste là. Et en fait mes cheveux avaient littéralement brûlé, mais en deux, c'est à dire que j'ai perdu la moitié de mes cheveux derrière. En fait, on a dû tout raser et genre vraiment ça partait de genre vraiment derrière jusqu'à tout en bas. Du coup je me suis retrouvée, bah du coup on a dû raser et tout, mais bref l'horreur. Et ensuite sont venues les complications, puisqu'en fait j'avais fait poser des produits chimiques et que pendant la période où en fait j'ai dû attendre, du coup j'ai commencé en fait à avoir des brûlures chimiques tout partout, sur les oreilles, sur les joues, au niveau du cou. Derrière, justement, je réagis très mal en fait aux brûlures chimiques, à tout ce qui est produits chimiques. Et je sais pas si c'est forcément des cheveux ou pas, mais en tout cas, ça m'a littéralement brûlé tout le visage, une bonne partie. Et ma mère, quand elle a vu ça, elle a pété un câble. Elle a appelé et tout, elle a fait oh, ouais, non, mais c'est inadmissible et tout. Ma fille, genre, elle a des brûlures chimiques sur le visage. Enfin, je me dis, mais. Bah elle a la peau sensible. Ouais, mais il y a une différence entre avoir la peau sensible et d'avoir les grosses plaques rouges et dégueulasses que j'avais genre juste là. Je dois aller chez mon médecin, prendre un traitement et tout. Si ça avait été encore plus grave que ça, ou je sais pas dans quelle façon, j'aurais pu garder ces plaques dégueulasses à vie. Dieu merci, j'ai plus rien. Et bref, ma mère genre archi vénère, tu vois. Genre, je sais pas, t'as ta fille qui va chez coiffeur, elle revient, il lui manque à moitié des cheveux, elle a des énormes plaques d'allergie en fait, de réaction allergique et de réaction chimique en fait, de brûlures chimiques, parce que c'est littéralement des brûlures chimiques hein, quand tu mets des produits sur ta peau ou près de ta peau et que ton corps ne supporte pas ça, ça te fait des plaques quoi. Du coup j'ai eu des plaques rouges, c'était un enfer. Du coup comment ça grattait. Et du coup après ça ouais, j'ai dû prendre un traitement, ça a mis je sais pas peut-être une ou deux semaines. Et du coup en fait je suis passée du blond gris et après je suis retournée chez mon coiffeur un mois ou deux après, où du coup je me suis mis en blonde. Et après j'ai décidé de me faire une frange, mais bon ça on ne va pas en parler, de merci ça a repoussé entre temps.
Mais bref, tout ça pour vous raconter en fait l'histoire où littéralement, bah, je suis ressortie de chez le coiffeur avec la moitié de la tête quoi. Mais ne vous foutez pas de ma gueule, s'il vous plaît. Parce que ça a fait mal. Et vous rendez compte que depuis un an et demi, parce que c'était rendu là, il n'y a que ça qui a poussé en un an et demi. Donc autant vous dire que mes cheveux ne poussent pas. Et du coup, derrière, ça a repoussé. Derrière, ça a repoussé aussi vite que le reste, ça qui était blond, parce que ça, c'est un blond en dessous. Du coup, j'ai remis en brun. Comme... Vu que ça avait trop poussé derrière, et bah, ça se voyait de ouf en fait. Genre, ça faisait des marquations blond, brun, blond. Et en plus, avec pas la même couleur et pas la même taille. Je vais terminer là-dessus sur cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un peu court, mais il fallait quand même que je vous la raconte. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à un petit pouce bleu. Je suis toujours présente sur Instagram, donc n'hésitez pas si vous voulez me rejoindre. Et on se retrouve soit dimanche pour un vlog si j'en fais un, sinon mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo.